Ça me fait comme ça, me fait deux jours sans moi. Mais moi, il y a un placali comme ça là. J'étais au courage, ça va dit. Il y a les tenues d'infirmière, voilà. De cuisinière, il y a les déguisements quoi. Tout. Ah ça c'est grave, ça c'est grave, hein. C'est chaud là. Il y a les jeux de cartes. Hey Seigneur. C'est les jeux de cartes, vous voyez. D'accord. Les jeux de cartes, voilà. Ok. Vous voyez, okay. Il y a tout ici. Les chauffer. Ça c'est que je vais mettre prendre cote. Non, faut arrêter. Il y a ça, t'as pas dit. Non, c'est au cote, je veux. Non, il y a cote, il y a cote. Quoi cote là? Oui, ça. Quoi cote là? Oui. Oh, c'est pas toi. Non, c'est quoi, c'est pas ça. C'est quel coq qui est rouge comme ça? Et on fait du bon service. C'est ça. Voilà. Merci là-bas. Bon, maman. Abonnez-vous à la page de Madame Aké. Hello mes acolytes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un marché de la place. Vous l'avez sans doute remarqué dans le titre, il s'agit du marché de Cocovico d'Angry. Je ne vous en dis pas plus, je vous embarque avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous vendez quoi ici d'intéressant? Bon, je vends des robes. Mm-hmm. Ici c'est de grande taille. D'accord. C'est à partir de 4 000. Mm-hmm. Avec 4 000 francs, tu peux t'habiller chez moi ici. Il y a 1 000 francs par là. Ce que je verse par terre. D'accord. On appelle deuxième choix. Deuxième choix. Voilà, ce qui a coché, les articles qui sont accrochés. Il y en a 4 000, 3 500. Les robes jeans 4 000, 3 500. Il y a les robes de aussi qui sont à 5 000 aussi. À côté des robes du travail. Comme ça. Tu fais à 3 000. Ah, c'est venu? Avec 3 000 francs, tu peux. Avec 3 000 francs, tu peux t'habiller. Avoir une jolie robe. Même si tu travailles au trésor, tu peux avoir des amis du trésor ici. Ok. Voilà, donc ici, c'est comme ça un peu partout. Là aussi, j'enlève ici pour accrocher. D'accord. Quand il voit que c'est ici, ça diminue un peu, il y en a là que j'attends. Ok. Donc ça parle de 4 000, 3 500, 3 000. D'accord. Il n'y a pas robe 2 900 ici. 3 000, 3 500, 4 000. Et puis, vous avez combien de clientes par jour ou de clients? Bon, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce que par jour, si ça marchait, je peux atteindre 400 000, 500 000, 600 000. Si je n'ai rien vendu, si. Je n'ai rien voulu, ça n'a pas marché, c'est 150 000, 200 000. D'accord. Voilà. Ici, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce chaque jour. Que du lundi au lundi, je vends. Okay. Si je n'ai rien vendu, c'est 150 000, 200 000. Sinon, si je vends, ça peut atteindre même 800 000, 700 000, 600 000. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, du courage. Merci. Merci. C'est où ça, mais hey, papa, ta bonne maman, elle va montrer. Il y a les tenues d'infirmière, voilà. De cuisinière, il y a les déguisements, quoi. Tout. Ah, ça, c'est grave, ça, c'est grave, hein. C'est chaud là. Il y a les jeux de cartes. Hé hey, Seigneur! C'est la jeu des 4, vous voyez? D'accord. Jeu des 4, voilà. Ok. Vous voyez, okay. Il y a tout ici. Les jeunes filles là, vous voyez comment elles sont mignonnes? C'est ça. Il y a les maillots, il y a les. Comment on appelle? Les collants. Oui, ça, ce sont les collants, les cyclistes. Voilà, les cyclistes qui sont là. Ok. Et puis il y a les soutiens de maman aussi. Les mamans qui n'aiment pas les soutiens, qui n'aiment pas.
pas de chiffon, légèrement bien, vraiment relax. Il y a tout ici. D'accord. Les caleçons que je vends en gros, esprit, coton, dentelle. C'est qu'il y a un peu de tout au fait. C'est quand ça. Quand tu rentres, peut-être que c'est ta mère qui n'a pas encore prête pour faire sortir là. Sinon, tu peux avoir tout ce que tu cherches ici. Là, je dis tout, un peu de tout. Ce que tu cherches, tu peux avoir. Et vos prix vont de combien à combien ici? Bon, par exemple, les structures comme ça, je le fais plus en gros 2500. 2500? 2500, vous voyez. Avant, on cherchait ces gens de modèles partout. Mm-hmm. Même si tu le trouves, d'autres font ça à 5000, d'autres font ça à 10000. Mais moi, je le fais ça à 2500 parce que c'est oui, un top de la bonne qualité. Voilà, c'est de la bonne qualité. Moi, je ne vends pas à jamais. C'est fin de série. C'est une fin de série, c'est seulement moi je vends. Voilà, d'accord. C'est du bon, c'est le bon soutien. Je ne mélange pas mes soutiens ni mes caleçons. Je ne prends pas, je ne prends pas. Je prends toujours sur mon fournisseur parce que lui, il sait qu'il vend pour. Les, c'est ça. Voilà, il faut toujours garder le même fournisseur, voilà, surtout si. Voilà, s'il est bien. Voilà. Donc, du coup, comme vous pouvez remarquer, ça par exemple, c'est 5000, ça à 5000. La plupart des soutiens, il y a plus de 5000 dedans. Il y a les 2500, il y a 3000, il y a 4000, il y a 5000. D'accord. Voilà. Les bon, misères. Voilà. Voilà, les filles vont venir s'approvisionner ici. Hein. Voilà, voici les menottes ici. Venez, venez chercher. Les menottes. Voilà, venez les menotter. Et puis, encaissez-les. Où ils s'en vont là? Encaissez-les. Attachez-les. Et voilà, c'est quoi le nom de votre boutique ici à Cocovico? La boutique, c'est la boutique Strass et Paillettes. La boutique Strass et Paillettes. Voilà. Nous vendons un peu de tout. Pour les femmes, les boucles d'oreilles, des sacs à main, des sandales. En tout cas, on a tout, en tout cas pour des mariages, c'est anniversaires, ça. Événements et tout, on a tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses ici. 25 000 les sacs, ça dépend des sandales, 10 000. On a à peu près tous les prix. Et puis des prix vraiment abordables. Oui, les prix et abordables. Et la bonne qualité aussi. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici dans le marché de Cocovico? 8 ans. Ça fait 8 ans que vous êtes ici. Ah, quand même. 8 ans. D'accord. Et ça se passe bien, ça marche bien. Oui, ça va. Tout qu'on se plaint pas, ça va. Dieu fait grâce. On fait un peu, ça va. Ça me fait comme ça, me fait deux jours sans moi. Mais moi, il y a un placali comme ça là. Merci ma chérie. Parce que je veux, mais prendre compte. Non, faut arrêter. Il y a ça. T'as pas dit. Non, c'est un compte, je veux. Non, il y a compte, il y a compte. Quoi, compte là? Oui, ça. Quoi, compte là? Oui, ça. Oh, c'est pas toi. C'est quel compte qui est rouge comme ça? Quand vous venez au marché Cocovico, c'est pour acheter quoi en général? Généralement les habits, parce que ici les habits sont plus moins chers qu'ailleurs. Ah, les habits sont plus moins chers ici qu'ailleurs. D'accord. Et c'est juste les vêtements que vous achetez ici? Ouais, j'aime bien les vêtements ici. C'est de qualité surtout. D'accord. Monsieur. Bonjour, madame. Ok, il y a une question que j'ai toujours voulu poser. Oui. C'est par rapport au nom Cocovico du marché. Selon vous, d'où est-ce qu'il vient? Le nom Cocovico? Oui. Bon, à ma connaissance, je pense que c'est une association de femmes. Mm-hmm. Voilà, représentée par une dame appelée Rosalie, décédée d'ailleurs.
Donc c'est une association de femmes, une coopérative de femmes qui sont mises ensemble pour apporter le soutien voilà, au secteur 8e tranche puisqu'il n'y avait pas de marché en vrai. Voilà, les gens partaient à Bobo, à Djamé, c'était un peu loin le transport. Voilà, donc elle a créé son business et elle était à la tête. Voilà, à la suite de ça, Coco Bico est né. Je pense que Coco Bico, ça doit avoir une signification. Je pense que c'est une coopérative de pas, organisation ou quoi là. Je suis vivrier des voilà, un truc comme ça. Voilà, donc ça veut dire le co peut être coopérative voilà. Et le vie vivrier. Voilà. Voilà, donc c'est on peut dire c'est un jeu de mots. Voilà. Ok. Merci donc, beaucoup. Voilà, tout simplement. La sécurité dans le marché. Oui. Oui, comment ça se passe? Bon, le secteur, il faut dire que c'est vraiment sécurisé parce que chaque cité a droit, ils ont droit à des vigiles. Voilà, apparemment ça va, mais vu le marché, puisque le marché est reconnu maintenant un peu de tout, c'est dans la zone ici. Les gens d'Abobo même ils viennent ici, ils font des places, donc ça fait que ça entraînait encore deux têtes, disons qu'il y a d'autres jeunes. Vraiment pas vraiment coquins qui ont fait leur entrée sur le marché. Donc ça fait que souvent il y a des petites agressions. Mm-hmm. C'est un peu des bagarres un peu de partout. Le marché est vraiment animé. Mais pour les cas des vols, braquages et trucs violents, jusque-là, Dieu nous en garde. D'accord. Voilà, donc donc jusque-là, il n'y a jamais eu de braquage, mais c'est juste des petites agressions, des petites, voilà, de rien voilà, du tout. Voilà, agression et puis voilà. C'est un peu le comportement du le petit frère de le cousin, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Pourquoi est-ce que vous préférez venir au marché de Coco Bico qu'au marché d'Adjamé? Selon vous, c'est quoi la différence entre les deux? La différence, ce sont les bruits. Les bruits. Voilà, ce sont les prix. Les prix. Les prix, voilà. Ah, d'accord. Au niveau de d'Adjamé, les choses sont très moins chères. C'est moins cher là-bas, après on vend, c'est le tout. C'est un peu cher ici. C'est très cher. Donc, on a pour faire à Djamé. Là-bas, c'est un peu cher. À Djamé, c'est la base. À Djamé, c'est la base. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a pour faire à Djamé. D'accord. Vous vendez les joggings, c'est ça? Oui, oui. Et vous faites ça à combien? C'est combien les prix? Oh, en fait, les joggings, les prix varient. Ça varie entre 3500 et 2000. D'accord. Les joggings varient entre 3500 et 2000. Puis nous vendons les joggings des femmes et garçons, tout. Femmes et garçons. Ah ouais. Maintenant, vous vous réveillez le matin à quelle heure pour venir vendre au marché? Nous, on se réveille le matin à partir des 5 heures si on a fini de prier. Mmh. On vient, on emprunte, puis on vient au marché. On vient arranger nos bagages avant qu'il soit 8 heures. D'accord. Et de 8 heures à 10 heures, on sort. Bonsoir, coucou la famille, c'est ici on est en gros 8e tranche dit Coco Bico. On est au marché comme ça. Bon, c'est ici on se débrouille. Le marché vraiment, venez à Coco Bico, on fait tout ici. On vend les légumes et fruits et on fait les tatouages aussi. Et permanent comme temporaire. On fait tout ça. On place on pose les cils aussi. Il y a plein de trucs à Coco Bico ici. C'est vraiment un marché choco. Voilà, venez à Coco Bico nombreusement. Venez voir, parce que ici à Coco Bico, il n'y a que des merveilles. Moi, c'est léger tatou. J'ai fait le rajout des sourcils. Voilà, donc venez à Coco Bico, vous allez tester aussi. Et d'accord. Les rajouts légers comme moi-même que je suis. On m'appelle léger et c'est ça. On est à Coco Bico comme ça. Allez. C'est ça. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au marché? Bon, ça me fait, on va dans les 6-7 ans maintenant que je travaille ici. D'accord. Voilà. Tout se passe bien. Très très bien, très bien. Tout se passe bien. Actuellement, comme vous le voyez, ça a été modernisé encore. Voilà. Il y a eu un changement quand même. Positivement surtout. C'est l'émergence. Donc venez à Coco Bico. À Coco Bico, nous sommes les chocos et on fait du bon service. C'est ça. Voilà. Merci là-bas. Bon, maman. Oui. Non, tu vends les trucs ici, tu vends les joggings, tout ça. Ouais, les joggings. Les hauts sauts aussi. Fais les body aussi, tous. Les body, les crop tops. Voilà, on vend tout ça. Voilà, d'accord. Quand j'ai vu, c'est les clients oiseaux, quoi. S'ils viennent, ils viennent toucher, puis je vais vous laisser, ça salit, tu vois. Si j'ai les blancs, qu'ils viennent pour les appels, ils vont acheter, mais ils viennent toucher, vous dites, ça salit, ça salit, ça tu vois. Donc les clients venez beaucoup, venez acheter les joggings chez, tu sais pas comment? Monsieur Eric. Quoi? Monsieur Eric. Monsieur Eric, voilà, venez acheter les joggings chez Monsieur Eric, voilà.
Abonnez-vous sur la page de Madame Aké. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et aussi, n'hésitez pas à checker l'onglet communauté de ma chaîne pour être informé des vidéos à venir. Bye!